Générique. Commençons cette actu veut savoir par un petit jeu. Attention, vous avez 5 secondes pour découvrir ce qui ne va pas sur cette photo. Top, c'est parti. Bravo à ceux qui ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, la réponse était le fait que Jean-Louis Borloo tienne son iPhone à l'envers. Bon, excusez-le aussi, bon, il doit sûrement avoir quelque chose dans son cerveau qui est à l'envers. Donc le problème, c'est que tout son quotidien est vécu, mais dans l'autre sens. Regardez. Bon, allez, petit déjeuner. Ok, 7h30. Évidemment, je passe au vert quand c'est moi. En Inde, certains constructeurs ont transformé des balcons en piscines. Ouais. Bon, ça, c'est des balcons, ils sont faits pour le blond, par exemple. Celui qui a le détecteur de bord des PC dans la tête. Parce que sinon, bah, il se passe ça, quoi. Connaissez-vous le syndrome de Susac? Bon, j'abrège vos souffrances. Le syndrome de Susac, en fait, c'est le fait de se réveiller le lendemain sans avoir souvenir de ce que vous avez fait la veille. C'est génial, ce truc! T'imagines être le copain d'une fille qui a ça? Mais enfin, chérie, on a mangé chez tes parents hier soir. Mais comment t'as pu oublier mon anniversaire? Ah non, non, non. Non, ce soir, c'est ton tour de faire la vaisselle. Même pour elle, c'est génial! C'est-à-dire qu'elle peut bouffer des trucs sans avoir de remords le lendemain matin! Enfin, bref. Je vous le remets au ralenti, vous allez mieux comprendre. Et pour conclure le tweet de la semaine, voilà, des ingénieurs de Google ont calculé avec des algorithmes hyper complexes la vidéo la plus drôle du monde. Ce serait celle-ci. Je vous mets un extrait. Et je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité et de partager cette vidéo avec le monde entier, hein, tant qu'on y soit. Et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles actualités. Ah oui, j'oubliais. J'ai un nouveau blog. C'est facile, c'est lactuveuxsavoir.com.